Découvrez la nouvelle série avec des acteurs principaux tels que Fingon Talala, Noël Kémoin et Flore la Brésilienne. L'épisode 1 commence. Action! Je ne veux pas que ça va se couper, je suis traumatisé, mon Dieu! Je suis traumatisé! Tu vas parler sur Facebook là, non? Les gens, ils n'ont rien à faire, ils vont venir écouter. Après, non, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. J'ai détruit avec moi sur mon épouse. Pourquoi? Tu viens maintenant me détruire. Avec tout ce que tu dis que tu as l'argent, le peu que j'ai réclamé, ce n'est que ce que tu m'as pris. Je ne compte pas le reste. J'ai dit, je laisserai ça à Dieu. Dieu va te donner ça par le karma. Après, tu seras assis sur toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pour un arrangement à l'amiable, Fingon, que tu as appelé les gens qu'on s'arrange à l'amiable. Vous m'insultez! Je t'ai dit que laisse ton histoire que. Non, non, non! Je vais aller sur Facebook! Je vais aller sur Facebook! Maman, tu as vu Facebook à régler quel problème de couple? Il y a 2 jours, j'ai commencé à recevoir les vols, pas les vols, les appels de menaces. Que je ne peux plus jamais mettre pied au Cameroun, mon propre pays! Oh. Hey. Que tu montes les gens de me traiter de ne plus jamais mettre pied au pays, au Cameroun, je suis traumatisé! Maman! Un homme que j'ai aidé! D'un homme que j'ai aidé, que j'ai porté sur moi. Je suis traumatisé. Tu as vu Facebook à régler quel problème de couple? Arrête de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Aïcha, là, quand moi, tu m'insultes. Tu m'insultes, parce que tu as mes démonies. Tu m'insultes, Aïcha, là, quand moi. Je te parle, je t'ai dit que. Si c'est, je te parle en tant que petite soeur. Tu as vu Facebook à régler quel problème de couple? Point d'interrogation. Elle veut Fingon, elle ne veut pas l'argent. Fingon a dit que dis-moi ce que tu veux, je te donne, tu quittes derrière moi. Voilà ce qu'il a dit. Tu sais ce que moi j'ai vécu, ce monsieur me bastonnait. Il me bastonnait à 100. Tu viens me souhaiter ce que j'ai vécu moi. Pendant 3 ans dans une maison, je me levais à 6 heures. C'est moi qui paye le loyer. C'est moi qui paye l'eau, je paye la lumière. Ce monsieur m'a laissé dans les dettes dans mon salon. 4 mois de loyer, j'ai payé 1500 euros. Il m'a laissé 4 mois de loyer sans payer. Mot pour mot. Que dis-moi ce que tu veux, je te donne, tu quittes derrière moi. Voilà ce que Fingon a dit. Je divorce. Je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Un arrangement à l'amiable. Que depuis, je suis calme. On me demande de rester calme. Les gens m'ont appelé, maman, reste calme, laisse. Reste calme, Dieu va lui payer. Mais elle n'est pas capable de dire ce qu'elle veut pour, que, pour quitter derrière Fingon. Est-ce qu'un jour, tu as fait me serrer sur la justice? Je suis une femme propre pour tous ceux qui me connaissent. Quand tu rentres chez moi, c'est parce que tu parles, tout est à sa place. Il y a un nouveau dossier qui est sur la toile. Tu ne veux pas nous laisser traiter le nouveau dossier, ma soeur, c'est comment? Aïcha, là, comment tu me dis que tu pleures le Ziza comme un enfant? Je pleure ma souffrance, ma chérie. Je pleure mes peines. Le bas sur Facebook, c'est sur 3 jours, hein? Tu veux qu'on dorme ton dossier, maman? Je pleure mon temps perdu. Et je pleure l'escroquerie qui s'est passée derrière tout ça. T'as fou Kawati, non? Tout ce que ce sont les pleureuses des Zizi qui vont venir te supporter. Derrière mon amour qui a été volé. Derrière tout ça qui a été organisé. Moi, ta petite soeur. Moi qui suis ta petite soeur. Et t'as dit que tu as dans mes doigts l'argent. Mais il y a rien à foutre, mon frère. Il veut me battre, il veut me battre pas. Et j'ai couru chez lui. Je connais où il habite. Depuis 1 an et demi. Donc, si tu étais moi, est-ce que tu campes derrière la maison de Tchabda tous les jours? Depuis que Kaidou doit 3 mois, il a arrêté de payer la pension alimentaire. Je connais où il est, il va aller courir quoi là-bas. Aïcha, Nakama, tu peux me détruire. Tu peux détruire la vérité, Aïcha, Nakama. Tu peux me démolir, Flore la Brésilienne, j'ai souffert. Je suis quitté l'Afrique, très jeune. Quoi? Je suis très jeune pour partir chercher pour ma famille. Tu sais les choses que j'ai traversées pour être à mon niveau et porter un homme derrière moi comme un autre mon enfant et qu'aujourd'hui je suis déçu. Ma soeur, c'est pas une question parce qu'on te baise pas bien. Ah! quelle déception du jour. Si on te baise bien, non? C'est que tu ne vas pas marcher derrière ton nom comme tu as marché là. Tu sais ce que ça fait, Aïcha, qu'à moi. Tu es là avec tes enfants. Les pères ne sont pas avec toi. Mais tu étais avec nous, on dirait, quand ce monsieur vient de m'insulter. Laisse Foku. Cherche-toi un bon père.
Après, tu seras assis sur toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Vous m'avez lynché sur Facebook, j'ai gardé mon calme parce que beaucoup de gens m'ont dit « Calme-toi, Flore, ne rentre pas dans ce rythme avec les gens. » Chef, moi, le père de mes enfants, il a quelques kilomètres ici. La justice pour aller lui porter plainte pour qu'il paye, on est en France, pour qu'il paye la pension alimentaire, c'est ici à côté de chez moi. Hein. Mais il ne parle pas là-bas, on ne prenait pas le temps de courir derrière la justice. Que fais quoi? Venez, insultez-moi comme vous voulez. Mais je suis une femme vraiment blessée. Comment ta petite soeur, ta fille, je ne suis pas en train de pleurer le manzizi. Toi, tu pleures quand tu te mets sur Facebook, les larmes coulent, les mots coulent. Une femme vraiment profondément blessée par un jeu d'acteur, un comédien qui a organisé. Hein? Tu pleures que les larmes coulent, les mots coulent. Attends, dis-moi un peu, pourquoi tu es bête comme ça même? Sans compter les messages qu'on m'envoyait de gauche à droite pour me dire que ce dernier a laissé une femme avec 5 enfants. Et tu te souviens, je t'ai dit, il n'y a pas quelques jours, que j'aurais préféré même, parce que je ne savais pas, avant de t'épouser, je n'aurais pas fait ça à cette femme-là. Je t'ai même dit derrière que ma soeur, tu sais quoi, Noël est en train de gagner du terrain. Laisse, calme-toi, ne fais plus aucune sortie, ne fais plus aucun direct, on va parler. Parce que si fini, on va comme ça. Vous qui mettez vos organes, si fini, je vous dis. Si fini, on claque des doigts et revient. Je t'ai dit, j'aurais préféré même que tu retournes encore vers la mère de tes 5 enfants. Ça m'aurait encore plus réjoui, j'allais même t'applaudir. J'allais même te dire, bravo, papa Fingon, tralala. Mais de courir de jupon à jupon, quel exemple tu montres aux Camerounais? Je vous dis, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont séparé. J'étais venu parler ça en parabole ici là, jusqu'à finir mon macabo. Aujourd'hui, tu présentes la mère de tes enfants qui est ici en Belgique. Que tu trompes aussi. Que cette petite fille t'a tout donné. Et que quand tu t'es séparé d'elle, tu es venu vers moi. Tu l'as saboté. Tu as dit comment tu t'es séparé d'elle. Parce que tu as trouvé les préservatifs. Parce qu'elle était sur l'internet en train de faire la bordellerie de l'internet. Et que tu l'as trouvé, tu l'as frappé. Et quand tu m'as commencé à flirter avec Noël, je suis venu vous dire ici là. Que Tata Flore a sorti la chanson jusqu'à. Quand Pinoa vit mon direct, il avait à mon macabo. Est-ce qu'un homme peut saboter les femmes comme ça? Est-ce qu'un homme peut détruire les femmes comme ça? Qui es-tu? Qui es-tu, Fingon Tralala? Qui es-tu? Derrière ta comédie, cache ta vraie vie. Mais, elle savait. Pourquoi c'est maintenant qu'elle vient parler? Hein? Ouais, je réclame, tu es obligé de l'aider. Oui, je l'ai fait par amour, parce que le corps ne contrôle pas le cœur. Vous passez le temps à payer les hommes ici en Europe. Quand vous dites de sortir, aller travailler, vous prenez les allocations, vous payez les hommes. Vous passez le temps à payer les ici. Quand vous laguez, les pleurs partout, les pleurs de quoi? Tu es le réel. Qui es-tu? Beaucoup de gens vont dire, oui, ma soeur, tu étais bête. Après tout ça, après tout ce que ce monsieur t'a fait, après toutes les escroqueries qu'il t'a fait, tu as continué à donner. Hein? Avant qu'elle ne sorte avec Fingon, elle ne savait pas qui était Fingon. Point d'interrogation. Elle ne savait pas. Elle savait très bien qui était le personnage. Mais oui, c'est clair. Donc, parce que c'est une femme, on doit venir supporter. Demande, Fingon a dit qu'elle réclame quoi, je lui rends. Tu n'avais pas abandonné tes enfants, papa. C'est pas moi qui t'a supplié. Qui t'a dit pardon, n'abandonne pas les enfants. Tu lui as dit ça, elle m'a avoué qu'elle-même, elle aime encore Fingon. Elle réclame le zizi. On ne peut pas trahir un Dieu de vérité. Fingon, tchalala. Tu te rappelles ce jour? Est-ce que tu te rappelles ce jour, papa? Dis-moi la vérité, est-ce que tu te rappelles ce jour? Ça va péter! Ah? Vous allez fuir! Quand en partant, tu m'as dit que tu ne devais pas m'abandonner avec mes enfants. Est-ce que tu te rappelles ce jour, aujourd'hui, Fingon, ce que tu m'as fait? Tu vas parler, je t'ai expliqué comment Facebook fonctionne si tu ne connais pas ton problème.
La maison, je l'ai achetée, j'ai failli le perdre à cause de toi. J'ai failli la perdre à cause de toi. Tu vas parler sur Facebook là, non? Les gens, ils n'ont rien à faire. Ils vont venir écouter. Après, non, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ça, c'est une terrible série qui va sûrement passer sur TV5. Bientôt à la CPI également. Ça, c'est clair. Avec la chaîne Franco le Mignon, votre cœur bat plus fort. Abonnez-vous. C'était l'épisode 1. À bientôt pour l'épisode 2. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.